Salut, toi. Commandant, content de voir que vous allez bien. La mort de Jenkins, c'est un coup dur pour l'équipage. Salut, Golgotha. Nous ne vous avons pas perdu aussi. Ça a été plutôt rude là-bas. Les morts civiles, on ne s'y habitue jamais. Ça paraît injuste quelque part. Tiens, bah tu devrais peut-être parler avec Williams, vous avez les mêmes discours. Vous avez empêché Saren d'éliminer toute la colonie. C'est pas grâce à toi. Des marines et des colons sont morts, tout ça pour que la balise nous file entre les doigts. C'est vrai que ça s'est mal passé. Très mal. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on ait perdu Jenkins. Si seulement j'avais pu faire quelque chose pour le sauver. J'étais là. Vous avez fait ce qu'il fallait. C'était juste de la malchance. En fait de vol d'essai, on a eu droit à un sacré baptême du feu. Un spectre qui en désingue un autre. Putain, le conseil ouais. va faire la gueule. Et il en profitera sans doute pour soutirer d'autres concessions à l'Alliance. Vous connaissez bien les rouages de la situation. Militaire de carrière ? Comme beaucoup de biotiques. Rien d'obligatoire, mais l'armée nous fait des ponts d'or. Alors tant qu'à faire, autant en tirer profit. Et puis mon vieux était dans l'armée. Tel père, tel fils. Enfin, plus ou moins. Et vous ? J'ai toujours vécu dans un environnement militaire. Ça laisse des séquelles. Plus une certaine renommée dans mon cas. Mais bien sûr, accusé. On a dû vous laisser le choix de l'affectation après ça. Il paraîtrait qu'on fait route vers la citadelle. Vous pouvez me dire ce qu'on va y faire? On va parler au conseil, frère. Le capitaine espère obtenir une audience auprès du conseil. Il faut les mettre au courant des plans de Saren. Ça se tient, vu que Saren n'a pas eu la politesse de donner son préavis. Quoi qu'il arrive, nous serons prêts, commandant. Ouais, bon soldat. Gentil. Gentil petit soldat. Alors, t'es qui toi ? Salut ? Quand vous serez prête, allez parler à Joker. Dites-lui de mener le Normandie. Ok frère. C'est bon, calme-toi. J'ai compris. Tu veux que j'aille tu veux que j'aille faire le petit soldat, que j'aille dire à Joker à ta place de faire les choses alors que c'est toi le commandant. T'es une grosse feignasse, on a compris. Salut. On vous dérange pas trop ? Ça va ? Putain, c'est Scully, elle. Ok. Y'a pas un endroit où on peut... Je crois que c'est en bas. Je crois qu'il faut descendre. Pour s'occuper de tout le stuff qu'on a et tout. Ouais, je crois que c'est par là. Hello. Dites, commandant, vous n'auriez pas besoin de provisions avant de partir ? De provisions ? Vous vendez quoi ? J'ai tout ce que vous voulez. Armure, mode, armes. Mon matériel ne vient pas de l'Alliance. Mais entre vous et moi, ce n'est pas plus mal. Ok. Bien sûr, il faut y mettre le prix. Vous croyez que je vais vous acheter ma dotation ? Mon stock ne vient pas de l'Alliance. Je me fournis moi-même et je peux vous dire que ce n'est pas donné. J'ai dû faire un emprunt rien que pour acheter les licences. Pas de licence, pas de matériel. Et pas de matériel, pas de boulot. Ok, ouais. Montrez-moi ce que vous avez. À vos ordres, commandant. Ah, j'ai des modes de munitions, des modes d'armes et tout. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Allez, on va aller voir Joker et puis après on arrêtera là. Ça vous va ? Moi, ça me va. Y'a quoi par là ? Salut. C'est vraiment moche ce qui est arrivé à Jenkins, commandant. C'est tout ce que t'as à me dire ?
moche ce qui est arrivé à Jenkins, commandant. J'ai déjà entendu ton doubleur quelque part. Eux, ils font semblant de discuter. Non, remonte. Remonte, vas-y, remonte. Ça fait pas de bruit quand je monte les marches. Ok, c'est ça, fait ton petit salut, toi. Je suis content de voir que vous allez bien, commandant. Ça a déjà fichu le moral de l'équipage à zéro de perdre Jenkins. Sorry, j'ai pas fait exprès. Je suis derrière toi. Je vois tout ce que tu fais. Je souffle dans ta nuque. Il y a quoi ici? On peut pas y aller. D'accord. C'est mon ordinateur. Non? Vous tombez bien, commandant. Je m'apprêtais à nous amener à la citadelle. Regardez la taille de ce vaisseau. L'Ascension. Vaisseau amiral de la Citadelle. C'est pas la taille qui compte. Ça sent le vécu, Joker. C'est sans pas puissance la de taille feu, qui la taille, compte. C'est que dalle. Sauf qu'il n'y a pas un seul bouclier de l'Alliance qui pourrait résister au canon principal de ce monstre. Heureusement qu'il est de notre côté, alors. PC Citadelle, ici le SSV Normandie. Demandons autorisation d'atterrir. En attente d'autorisation en Normandie. Autorisation accordée. Commencez votre approche. Nous vous transférons vers un opérateur de l'Alliance. Bien reçu, tour de contrôle. Normandie, terminé. Normandie, ici tour de l'Alliance. Arrimage quai 422. C'est un scandale! Le Conseil interviendrait si les Geths attaquaient une colonie turienne! Les Turiens ne fondent pas de colonies à la frontière des systèmes Terminus, ambassadeur. L'humanité était tout à fait consciente des risques lorsqu'elle s'est aventurée dans la travée. Saren, vous ne pouvez pas ignorer la trahison d'un spectre! Le Conseil doit agir! Vous ne pouvez rien exiger du Conseil, ambassadeur! Notre service de sécurité mène une enquête sur vos accusations contre Saren. Nous discuterons des conclusions du SSC à l'audience, pas avant. Capitaine Anderson, je vois que vous avez emmené la moitié de vos troupes. Seulement le commando d'intervention d'Eden Prime, au cas où vous auriez des questions. J'ai les rapports de mission. Je présume qu'ils sont fiables. Bien sûr. Ça veut dire que vous avez obtenu une audience? Ça ne les a pas franchement enchantés. Saren est leur meilleur agent. Il n'apprécie pas qu'on l'accuse de trahison. Saren est surtout une menace pour toutes les colonies humaines. Il faut l'arrêter. Et il faut faire entendre raison au Conseil. Calmez-vous, commandant. Vous êtes déjà loin d'avoir la cote auprès du Conseil. Votre mission sur Eden Prime était l'occasion de faire vos preuves. Mission qui s'est soldée par la mort d'un spectre et par la destruction d'un artefact protéen. C'est Saren le responsable, pas elle. Alors espérons que l'enquête du SSC trouve quelque chose qui étayera nos accusations. Autrement, le Conseil va vous tailler un costard et vous pourrez abandonner tout espoir de devenir spectre.
Je m'en fous, c'est vous qui voulez que je devienne spectre, pas l'inverse. Je souhaiterais avoir quelques précisions avant l'audience. Shepard, vous et les autres, rejoignez-nous dans la tour de la citadelle au dernier niveau. Je ferai en sorte que vous ayez les autorisations d'accès. Voilà pourquoi je peux pas sentir les politicards. La suite au prochain épisode.